si on aime le foot, c'est pour vivre intensément ce genre de moment, se laisser emporter par la foule. Rendez-vous dans un instant. Évidemment, c'est incontournable. Le coup d'envoi dans un instant. Salut tout le monde, c'est un privilège mais aussi une grande joie de vous retrouver en direct depuis les tribunes du Nuevo Mirandilla à Cadiz. Au micro pour vous, Omar et Benji, la team Dada qui vous fait vivre les plus grandes aventures. Au programme donc, un match de championnat, Cadiz face au Real Madrid. Je suis très heureux de partager ce match avec vous parce que c'est ça le foot, c'est la joie du partage. Un œil sur la compo de cette formation. Les joueurs qui débutent donc côté Real Madrid. Titulaire dans le but, c'est Kepa. Antonio Rüdiger avec Alaba en défense centrale. Fede Valverde sera épaulé par Jude Bellingham au milieu. Et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond des filets. Fede Valverde. C'est une passe pour Rodrigo. Attention, grosse occasion. Tout en technique. Et le gardien qui écarte bien le danger. Ça, c'est un arrêt important. Il permet à son équipe de conserver leur avance. Et on va voir leur réaction après cette intervention. Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages. Encore dans les nuages, c'est poli. Même pas sûr qu'on retrouve le ballon. Toni Kroos. Il y a du soutien en attaque. Elle la passe en profondeur, attention. Et voilà une bonne récupération du ballon. Tchouaméni ! Et le super réflexe de la part de Ledesma. Nous allons donc avoir recours à la goal line technologie pour savoir si oui ou non le ballon a franchi la ligne. On le voit bien, grâce à la goal line, le ballon n'a pas franchi la ligne. Ballon récupéré dans le camp adverse. Et ça joue sur Rodrigo. Ah, peut-être l'égalisation, c'est contré. Le corner et peut-être l'égalisation sur ce ballon pour le Real. Mano Tasso, incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée, mais le gardien est allé la chercher. Olé, le bon mouvement. Il faut tenter le coup, pourquoi pas repousser ce ballon par le gardien. Rodrigo. La bonne percée, il faut aller provoquer. Et ça peut être dangereux. Le ballon est joué en finesse, mais ça termine loin du but. Ce 1 contre 1 qui se finit donc sur un échec. Nous jouerons donc une minute de temps additionnel. C'est contré sans problème. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires.
Et voilà, le match qui reprend et les Merengues qui sont menés d'un but. Tir contré sans difficulté. Il y a du monde en soutien. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Rodrigo avec le ballon. Oh, l'égalisation peut-être. Bonne intervention pour éloigner le danger. Oh là là, la passe est complètement ratée. Bellingham à la réception. Oui, bien défendu. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Le Real Madrid qui contrôle la possession depuis environ 15 minutes. C'est un grand temps fort pour cette équipe. Encore un petit effort et l'égalisation devrait arriver. Interception et récupération du ballon. Ballon qui est sorti, la remise en jeu pour le Real. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Le ballon pour jeu de Bellingham. Bellingham. Et le ballon fracasse la barre transversale avant de sortir. Ça s'est joué à 2 petits centimètres. Ça se joue à pas grand chose. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Ouais, c'est une bonne progression, ça, balle au pied. Elle la fera peut-être pour égaliser. Goal ! Égalisation du Real ! Si près du but, le bon geste au bon moment. L'art du but, c'est l'art de l'économie du geste. Jamais plus, jamais moins. L'efficacité, point. Ah, le score de parité est donc un partout. Bellingham. La victoire, c'est peut-être là. Une des dernières attaques pour le Real. Attention, pour mener au score, peut-être. Oh, c'est dedans. Le but décisif. Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable. Et cette fin des matchs avec un but qu'on n'attendait plus. Et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts. Caractère, abnégation, volonté, persévérance, répétition, encore et encore. Et à la fin, la récompense. Quel travail, quel but! Et ce but est crucial, il est à quelques minutes de leur offrir la victoire, mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Ah, il était dangereux ce ballon, malheureusement personne pour venir couper la trajectoire. Et le Real qui reprend ce ballon. Rodrigo. Et encore 2 petites minutes de temps additionnel minimum. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. La joie des Madrilènes s'est terminée avec donc cette victoire pour le Real. Une victoire dans la douleur et qui est finalement arrivée en toute fin des matchs avec ce but de la délivrance.